Je suis étudiant en master développement local. Consultant en marketing relationnel. Par rapport à la démission de candidat Zanaï, je lui donne un grand coup de chapeau. Ce n'est pas une chose étonnante. Ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne tant rien. Là, tu claquais, la porte est partie. Ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne pas parce que... Par rapport à sa carrière politique. Ça fait partie de son habitude. Il a l'expérience. En bon français, on a toujours dit, l'habitude est la seconde nature. Oui, c'est vrai. Il y a un problème de leadership autour du chef. Le chef d'État ne coule que 2 à 3 personnes au sein du gouvernement. Comment 3 ministres vont priver le président de ne pas parler? 3 personnes vont parler et puis le président va dire top, c'est fini. Non, je ne vois pas ça sous cet angle. Azanaï a démissionné de ses propres droits. Il a bien posé son acte. C'est un acte de bravoure. Nous ne pouvons pas dire que c'est un acte de lâcheté. Le forgeron, celui qui a forgé, le président Talon, candidat Azanaï, quitte le gouvernement. C'est un coup de tonnerre qui est tombé dans le ciel. Il a reçu beaucoup de frustration. Je vous dis. On ne le coupe plus au sein du gouvernement. Non. C'est ça qui se produit. Mais c'est celui qui n'a pas honte qui va rester dans l'équipe gouvernementale. Le pouvoir, c'est un boubou blanche. Mais si vous faites l'erreur et vous le tachez avec de l'huile rouge, vous allez reporter avec de l'huile rouge. C'est pas normal. Vous voyez. On regrette vraiment. Talon était un arbre qui cachait la forêt. C'est très grave. Azanaï ne va pas regarder les beaux yeux de quelqu'un. Le vrai visage de Talon là. Et que sa carrière politique s'arrête. C'est un homme. Le premier homme. Franchement, c'est un homme ça. On est derrière lui. J'ai des gars qui sont derrière moi. On a combattu avec Candide qui a vendu sa tête, qui a vendu sa vie. Et pour que Patrick Talon vienne. Il s'est sacrifié le premier au temps de Yahi Boni. J'ai l'impression que la nature veut finir avec Talon. Psychologiquement maintenant, le président est malade, ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Il est en train de perdre l'électorat. Ah oui. C'est très bon. Je demande pardon. Tu es avec quelqu'un et ça ne va pas. Le président Talon doit consommer ça. Talon nous a dit, quand je viens au pouvoir, tout ce que vous voulez, c'est maintenant et tout de suite. Il devient président. C'est la casse. C'est la reprise des entreprises. Il y a plein de choses maintenant là. Après son départ, d'autres partiront aussi. Ça va permettre. Humblement. De garantir au Bénin là les acquis. C'est seulement. D'abord. Sinon, vraiment, c'est grave. Merci.